Yes, show the style and make let's go. Yes, land the kick and mode. Musha blowy. Suge echo to gamatin da se. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans la suite de cet épisode de Dragon Ball Xenoverse 2. On se retrouve pour l'arc Ginyu. Sinon, pourquoi il y avait Vegeta? On a tous eu la même réaction la première fois qu'on a vu Commando Ginyu. Oh putain. Nouvelle tenue, hein, au passage. J'avoue, qu'est-ce qui branle? Ah, les changes de corps. Oh, eh mais j'y pense, c'est vrai que c'est pété. Parce que, réfléchissez, il y a Mafuba qui est OP, hein, qui permet de sceller une personne dans une bouteille. Non, si tu désintègres la bouteille et tout, je suis désolé, bon, le truc s'échappe, d'après ce que j'ai compris. Mais, si t'es assez doué, et que la bouteille, genre, tu décris la bouteille avec une grosse attaque, genre un Kamehameha père-fils. Et la bouteille est complètement désintégrée avec un intérieur, on est d'accord. Moi, ce que je constate, c'est que cette technique échange de corps permet de changer de corps. Ça veut dire qu'il y a personne qui est dans le nouveau corps, non seulement elle est puissante. Bon, tu vas me dire, elle connaît pas les techniques, mais si elle se démerde pour connaître les techniques, en vrai, ça fait une personne OP, hein. Enfin, une technique OP, hein. Oui, techniquement, c'est Sangoku, mais. Ouais, probablement. Tu vas encore faire de la merde. Si tu fais de la merde, je te préviens, je vais te taper ta mère. Oui, j'ai dit ça parce que ça rime, mais allez vous faire croire. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bon. Bata. Bon, Ginyu, déjà, il a l'aura maléfique. Chose à savoir, Ginyu, il l'a. Tous ensemble, commandons Ginyu. Battons les ennemis, c'est parti. Oula, les deux directs. Normalement c'est 1-1, mais ok. Allez, permettez que je vienne vous aider. Bon, j'ai débloqué Super Saiyan au moment où je tente cette vidéo, mais... On ne va pas utiliser, ça serait cliché. Allez, c'est parti.
Nouvelle charge, on en profite. Bonjour. Tech. Joubei Kamehameha. C'est bon, ça aurait été rapide. Oula, Vegeta, on va éviter qu'il meure par contre. Tech. Le Joubei Crusher est une technique assez OP, je trouve. Hein. Tech. Nouvelle technique. Oui, j'adore cette technique, qu'est-ce qu'il y a? Je peux la placer à de bons moments. C'est ça qui est bon. Alors, Ellipse, temps de faire la suite, à tout de suite. Re, chers amis, re. Et on se retrouve pour la suite. Du coup, c'est Sangoku. Ignoble projet, bah un seul ennemi. Oh, mais ça m'a tué. Bon, c'est Sericum, ça me va. Oula. Rikoum? Rikoum? Rikoum, on est... Rikoum, on... Ah! Merci, ferme ta gueule, on est sur YouTube. Merci, pas. Bon. Allez, c'est parti. Oula, eh oh. Tu calmes ta mère? Bon, vu que toi tu veux commencer, allons-y. Allez. Il perd plus de vie. Pourquoi? Bon. J'ai même envie de faire ça rapidement, mais... Tech! J'adore cette technique. Vous n'avez pas idée à quel point c'est stylé cette technique. Bah alors? Tech! Dis donc toi, t'as tenté un truc? Bon. Je vais en profiter. Bonjour. Calme ta mère, oui. Allez, il perd de la vie. Merde, j'ai fait trop tôt, tant pis. Évidemment, Vegeta se tire. Comment ça, quelqu'un s'approche de moi? Oh, mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. À dire, c'est avant, hein. Ah oui. Mouais. Bon bah. Ah, ah, ça va pas tuer. Voilà, merci. J'adore faire ce finish. Eh oh, eh. Ah bah, ça y est, fini. Jex, il s'est fait gifler. Ah, c'est beau, ça. Niveau 43. Ok. Et une autre ellipse à nouveau. Ok. Trunks. Alors oui, j'en profite. Hein. Désolé de ne pas avoir dire eux. Mais putain, j'étais sûr qu'il allait merder, espèce de pute. Ah putain.
Au moins mon corps est pour deux cracks. Non, non, il y a Codri deux cracks. Merci. Oui, parce que dans le jeu, Guignois est technique. Hein. Il connaît les techniques du personnage. Même la pose de combat. Bah, let's go. Ah, tu me diras. Donc, Xeno version 1, c'est nous, on se faisait voler notre corps. Donc. C'est pas une blague, on se faisait vraiment voler notre corps par Guignou. Et on était obligé de jouer en tant que Guignou. C'était horrible. Je n'avais pas idée à quel point c'était horrible. Tic! Hop! Bon, il perd plus de vie, mais c'est justif. Ah putain! Ma manette Xbox qui se met encore un peu gay, chers amis. J'allais dire chers enfants. Je vous aurais tellement pas respecté. Ah bah t'es là toi! Bon! Allez-y, allez-y, prenez votre temps. Bon, Jace? Bonjour! Ah oui, je lui ai bien fait mal là. C'est bon. Que dalle! Va le laisser tranquille. Tic 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 tic. C'est bon. Chargeons là-bas. En vrai, là, pour le coup, Guignou il est con parce que Krunk il est super Saiyan. Après, bon. Ah, bah oui, évidemment, parce que oui. Bon! Thales, viens ici! Tic! Hop, c'est bon! J'ai plus l'envie! Non, c'est bon, j'ai juré. Krunks qui dit, ah, j'ai fait dire même un tag, j'ai juré. Bon. Ok. Ah, vous voyez, mon corps. On peut dire qu'il s'est fait croasser. Ah 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 ah, c'était de la merde. C'était vraiment de la merde comme jeu de mots. Bon. Il est vexé. Du coup, c'est une victoire. On est content, c'est une victoire. Alors j'en profite pour faire une ellipse juste après la cinématique. Parce qu'il y a l'air d'avoir une cinématique. Et il y en a une.
Donc ellipse après cette cinématique, je vous la laisse. Parce qu'après on va faire un examen de la police du temps. Oui, 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 on sait ça. Oui, bah c'est waifu mode en même temps. Oui, 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 nous avons, tu veux dire, mon ancien héros a réussi à le buter. À coup de déjà cuit à cran dans la face, hein, c'était gratuit. Oh, regarde, même le Kaioshin se fout de ta gueule. Re, chers amis, re. Alors, on se retrouve avec une, après une petite ellipse. Alors, je vous explique ce qui s'est passé. D'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, mais mon micro s'est débranché. Et j'avais beau rebrancher, je n'arrivais plus à parler, ma manette a pété un câble et a skippé la fin de la cinématique. Alors je vous explique, ce que vous avez manqué, en gros il vous félicite d'avoir pété la gueule à Ginyu, Trunks dit qu'il va choper Mira la prochaine fois, etc. Du coup, on se retrouve pour l'examen de catégorie intermédiaire où on va péter la gueule de Gohan. C'est parti. Merde, j'aurais dû le faire avant, ça. Tant pis. C'est bon. Mais pardon ? J'étais sûr de lui avoir foutu un truc avant, mais bon, why not? Oui, j'y suis en Super Saiyan, hein, contre un Raditz. C'est gratuit, faites pas chier. Je vais faire ça vite. Mais ça fait deux fois, là. Ça commence vite à me gaver. Bon, ça suffit. J'en ai marre. Merci. Fils de pute, va. Bah alors. Allez, va voir ailleurs, tiens, si j'y suis, toi. Mais putain, mais ça fait deux fois, là. Pourquoi mon perso s'est TP avant, putain, mais... Quand ce jeu bug, c'est génial. Je vous le garantis. Allez, c'est Vegeta maintenant. T'as tenté de me faire quoi, gamin? Allez, dégage. Il a bouffé. Allez, au revoir. Merci, fils de pute. Si j'ai un rang D, je vous jure... Ah bah merci. Le jeu qui me respecte. Putain. Niveau 44, hein. C'est gratuit. Du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. La raison est que après ce sera trop long. Et on se retrouve pour le prochain épisode où on fera l'arc de sel. Sur ce, à la prochaine, portez-vous bien, high five!